comment, à l'approche d'une échéance électorale, verdir son bilan. Je vous montre. C'est très simple, il suffit d'un produit. À quelques mois de l'échéance, ça marche. C'est le greenwash. Le greenwash est une méthode de communication utilisée pour se donner une image éco-responsable, un coup de com' qu'ils attribuent au maire de Montpellier. Nous ne sommes pas dupes. Nous sommes verts de rage. Car pour ces militants du mouvement citoyen Nous Sommes, la municipalité n'est pas à la hauteur de l'urgence climatique. Et le pacte de Milan, organisé dans la ville, est selon eux un bel exemple de greenwashing. Le pacte de Milan, il est représentatif, c'est un des symptômes de notre ère, hein, c'est-à-dire des effets d'annonce qui ne s'accompagnent pas de vraies mesures. Présent aux prochaines élections municipales, le collectif se positionne en faveur d'une justice sociale et climatique et entend changer la manière de faire de la politique. On propose de mettre en place la révocation possible des élus à mi-mandat. Concrètement, à mi-mandat, les habitants de Montpellier pourront décider s'ils gardent leur confiance à l'équipe en place. Ça permet un réel contrôle. Stop aux paroles et place aux actes face à l'urgence climatique. C'est aussi le message porté par le mouvement Extinction Rebellion. Les activistes multiplient les actions un petit peu partout en France. Le sang versé sur la place de la Comédie symbolise la destruction du vivant et pointe du doigt les responsables. Les grandes multinationales, les politiques ultralibérales, tous ceux qui se fichent de la planète et qui ont des politiques destructrices vis-à-vis des écosystèmes et du vivant. On réclame la neutralité carbone d'ici à 2025, puisque tous les rapports le disent. On ne peut pas faire autrement, sinon on va droit dans le mur. On est la génération qui allons subir de plein fouet ce que les autres ont laissé avant nous. Extinction Rebellion, ce nouveau mouvement de défense de la planète a une certitude. On n'a plus le temps d'attendre.